Le manque de neige se fait sentir un peu partout au Québec. Élie, les sports de glisse ont la vie dure ces temps-ci. Oui, les sports de glisse, Marie-Lise, bon, oui, on le sait, la motoneige, presque impossible, peu importe où vous vous trouvez présentement au Québec, d'en faire. Mais même côté patinage, faire du ski de fond, c'est plus difficile, même du ski alpin aujourd'hui à Québec. Il y avait un endroit où il était possible de faire du ski de fond et on s'y trouve présentement. On est à Stoneham, au centre de ski. Et oui, c'est possible d'en faire et c'est ce que les gens me disaient quand même. C'est une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils avaient de la difficulté à trouver des activités possible à faire en famille, mais si c'est possible, c'est pas en raison des grandes quantités de neige qui ont tombé récemment, non, c'est parce que, bon, il y a une température un peu plus froide et même qu'on crée de la neige artificiellement, carrément, on souffle de la neige présentement sur les pentes. Là-dessus, je le sentends justement certaines personnes avec qui j'ai pu m'entretenir. C'est des super belles conditions, du moins, en tout cas, pour la Pentecôte, on n'est pas allé ailleurs, là, mais c'est super beau, c'est super doux, c'est le fun. Pour la Pentecôte, c'est parfait, mais pour le reste, c'est sûr que c'est à désirer. C'est bien normal. C'est une des pires années, je pense, pour le début d'année. Mais ça va s'améliorer. Je trouve ça triste. Je suis content de ne pas avoir de motoneige à 20 000 $. Mes skis, ça coûte moins cher. Mais le ski, puis... tu sais, c'est un pays d'hiver, hein? Puis là, on est pris contre la nature. Et ce qu'on me disait aussi en lien avec le ski de fond, c'est que ça a été un début de saison, même presque, on disait, très bon. Pourquoi? C'est qu'en novembre, il y a eu beaucoup de neige et lorsqu'on allait débuter la saison, bien là, il y a eu des très grandes quantités de pluie. Donc, impossible d'ouvrir la plupart des endroits pour faire du ski de fond ici à Québec, tellement que du côté de ski de fond, Charlebourg, on me disait que c'est du jamais vu en plus de 30 ans qu'on ne soit pas ouvert un 1er janvier. Alors, ce qu'on souhaite, bien évidemment, c'est de la neige, comme il tombe quand même en quantité assez limitée là, de la neige ici à Québec. On en souhaite plus. On voit ça. Merci, Élie.